Il m'a l'air très vivant, ce cadavre. Sacré petit vénard. Si t'étais mort, tu serais débarrassé de ces cauchemars. On va voir combien Sidorovitch va me donner pour t'avoir. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Un corps. Il est arrivé avec le corbillard. Il porte le tatouage. Oh bah t'as l'habitude, tu le déposes sur le... Ce type-là est vivant. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est des conneries ! Je te jure sur ma tête que c'est la vérité. Pose-le là. Eh ben, d'après ce que je peux voir, ce type-là doit valoir... Чего заскучали, мужики?
4. Regardez qui est là, les troupes. Ils essaient d'arriver en premier pour se remplir les poches. Pas de bol, on va pas tarder à arriver aussi. En avant les gars. Les coups de feu, en haut à gauche. Tiens, on est à droite. Des zombies sur le toit, à gauche. Des tels, des deux côtés. Ouais. Un sur le toit, à droite. J'en ai eu un. Thank you.
Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Вознагражден будет только один. Prochaine émission n'aura pas lieu avant 2 mois, 4 jours et 7 heures. Son intensité sera de 3 sur l'échelle de Bergman, ce qui représente 2,13. Зомби его схватил и тянет теперь куда-то. Сталкер его и спрашивает. Зомби, это... Спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему. Контролер свежее мясо любит, фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Блин, так не смешно же. Yeah.
notre cher commandant est pas allé bien loin. Ses nouveaux potes lui ont trouvé un coin bien douillé, dans un arbre. Ok, récupère le PDA de cet enfoiré et rapporte-le-moi. Éclatez-vous, avec les grenades, c'est idéal pour les migraines. Avec les grenades, c'est idéal pour les migraines. Les gars, face cruche, c'est une grenade. C'est fini, les gars. Attention, il y a la tête. Faut des accords pour savoir crever la paix. We'll be right back.
sortie de Limongs qui est tout près. Mais il faut qu'on reste sur nos gardes et qu'on y aille prudemment. Plus vite! Un sniper dans la tête! À couvert! Vas-y, let's go! Avance et débusque-moi ce sniper! À 1h23, le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie, avant d'atteindre l'Amérique du Nord. Les conséquences de cette catastrophe sont si graves que le gouvernement doit faire évacuer tous les habitants des villes et villages environnants. Une zone d'exclusion de 30 km est établie afin d'empêcher les civils de revenir dans la zone contaminée. Malgré la catastrophe, la centrale de Tchernobyl continue de fonctionner. Le Conseil des ministres de l'URSS décide alors de créer un réseau de laboratoires secrets dans la zone d'exclusion désormais désertée. Janvier 2006. Une lumière éblouissante enveloppe toute la zone d'exclusion et des nuages de vapeur s'élèvent dans le ciel. Après un instant de silence, des grondements sourds font trembler le sol. La plupart des forces gouvernementales qui gardent le périmètre sont tuées sur le coup. 2008. Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Les expéditions dans la zone se terminent généralement en tragédie et les rares survivants racontent des histoires incroyables d'animaux mutants aux capacités extraordinaires. Selon différentes estimations, la zone héberge en 2010 entre 100 et 300 individus non identifiés. Ils se donnent le nom de Stalkers et survivent en récupérant des objets anormaux, connus sous le nom d'artefacts, qu'ils revendent à prix d'or. Malgré les cordons militaires, le nombre de Stalkers ne cesse d'augmenter. Ces derniers se cantonnent néanmoins au secteur périphérique de la zone, son centre restant largement inexploré. Les rares tentatives de pénétrer plus avant dans la zone se soldent toutes par des échecs. 2012. Un Stalker du nom de Strelok parvient à résoudre le mystère du lobotomisateur. L'émetteur d'ondes psychiques qui bloquait l'accès au centre de la zone depuis des années. Une fois la machine désactivée, tous les Stalkers se ruent vers les territoires jusqu'alors inexplorés. Certains espèrent y trouver une cache remplie d'artefacts, d'autres sont à la recherche de l'exauceur de vœux. Le gouvernement décide alors de lancer une vaste opération militaire, nom de code Fairway. Son objectif, envoyer des hélicoptères jusqu'à la centrale. Malgré les nombreux préparatifs et les cartes des anomalies dont disposaient les appareils,
L'opération est un échec cuisant et aucun des hélicoptères n'en revient. Le major Dektyarev, agent spécial du SBU, est envoyé dans la zone afin d'enquêter sur la disparition des hélicoptères. Déguisé en stalker et emportant avec lui un fusil d'assaut standard, 2 semaines de provisions et une radio pour communiquer avec le QG, le major entame son voyage vers le cœur de la zone. Réussi à passer sans en réveiller aucune. On dirait une sortie. Saute! Il faut qu'on en parle au barbu. J'espère qu'il saura comment se débarrasser de ces saletés. Salut. О, а ты-то как... Я лудил бы любую, лишь бы все нужное на месте. Même les gaines des câbles ont fondu. Охота. À une bonne journée de travail. Thank you.
On dirait que l'équipage est mort en plein air et que l'hélicoptère s'est écrasé parce qu'il n'y avait plus personne pour le piloter. L'ordinateur de bord semble avoir résisté. Je me demande s'il contient quelque chose d'intéressant. Ah, une carte du secteur avec différents repères. Ça servira peut-être. Voyons les informations de l'ordinateur de bord. Ok, donc... Stingray 3, arrêt simultané des deux moteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une carte avec des points d'évacuation potentiels. Coordonnées B2, B28 et B205. Intéressant. On y est. La gare de Yanov est une zone relativement calme dans Jupiter. Et c'est là que nos chemins séparent. Mais si t'as besoin de moi, je serai au bar. C'est ta première visite dans la zone? Ça fait pas si longtemps que je suis là, moi non plus. Je m'appelle Nitro. Je suis mécano. Je peux tout réparer. Mais c'est pas évident de récupérer de bons outils dans le coin. Si tu trouves quoi que ce soit, apporte-le-moi surtout. Et si t'as besoin d'aide niveau technique, viens me voir, je verrai ce que je peux faire. Voyons si j'avais raison.
Deux corps. On dirait qu'ils sont morts dans l'accident. Tout ce qui avait de la valeur a été pillé, l'ordinateur de bord a été effacé. Mais la boîte noire est toujours intacte. Intéressant. Un bon technicien devrait pouvoir extraire et décoder les informations qu'elle contient. Thank you.
Salut. Posez vos armes à terre, tout de suite! Ne tirez pas! Je suis le lieutenant Sokolov, copilote de Stingray 4. Je suis en route pour B-28, le point d'évacuation d'urgence. J'ai des informations pour Kowalski. Amenez-moi à lui. Vous connaissez Kowalski? Vous êtes qui, au juste? Qu'est-ce que vous avez à voir avec le commandant? Je suis le major Dektiarev, SBU. Je suis venu enquêter sur l'échec de l'opération Fairway. Je le savais. Vous faites une sacrée équipe, vous savez. Ok. Suivez-moi. J'ai retrouvé l'unité. Ils sont tous morts. On dirait qu'ils ont été abattus, mais il n'y a aucune trace de l'ennemi. Oh, Monolithe, nous ne t'entendons plus. Bordel de merde! Il y en a partout! Pourquoi nous as-tu abandonnés, oh, Monolithe? Vlipils, Katinia! Merci! Скотиня! Бей их! Ce document fait référence à un laboratoire central appelé X-8, qui contient peut-être des informations sur des expériences secrètes menées dans la zone. Ça fait un bout de temps que nos analystes s'y intéressent. Baz, la sentinelle est morte. Votre homme agissait de façon étrange et m'a attaqué. J'ai aussi identifié et éliminé un contrôleur dans le secteur. Bien reçu, Major. Le contrôleur a dû s'emparer de son esprit. Bon sang, c'était un gars bien. C'est sûrement ce qui est arrivé à l'unité de reconnaissance. Le contrôleur a dû les obliger à s'entretuer. Enfin bref, terminé. Thank you.
base, j'ai retrouvé un de vos hommes. On dirait qu'il s'est fait exploser avec une grenade. Rien n'indique qu'il ait été attaqué ou qu'il y ait eu échange de coups de feu. Ici Kowalski. Bien reçu, Major. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons enfin les coordonnées exactes de la source des interférences. Le signal provient du bâtiment de la maternelle. Kowalski, vous feriez mieux de revenir ici, on doit se préparer à une attaque. Ces salopards ne nous surprendront pas, le froc baissé cette fois.